T'as cru que j'ai oublié la vidéo du jour? What's up les amis? Unchain est au rendez-vous. J'espère que vous êtes tous extrêmement bien aujourd'hui. Un gros remerciement à la vidéo d'hier, à la fête au pas tendance. Vous êtes les boss. Mais si je te dis maintenant que hier on a parlé de plein de mythes, mais on a oublié quelque chose de très important. Il y a des armes mythiques qui sont disponibles sur la map. Et pas qu'une. Pas deux, pas trois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir ces armes mythiques et être le meilleur au jeu, tout simplement parce que là sont ultra OP. Et deuxièmement, je vais t'expliquer comment augmenter en XP très rapidement. Car maintenant, c'est beaucoup plus difficile de monter en niveau cette saison. Mais c'est pas grave, car en fin de vidéo, je t'explique une petite astuce. Du coup, c'est parti, on est en créatif. Car hier, on a montré un sniper légendaire qui mettait pas 200 de dégâts dans la tête. Mais si je te dis qu'en fait, j'ai mal regardé et que si t'ouvres tes paramètres, tu as plein de nouvelles armes mythiques disponibles dans le jeu. Le fusil à pompe spécialisé, le fusil à pompe automatique en mythique. C'est les armes du chapitre 3 et c'est la première fois qu'on va les tester. Elles sont toutes dispo en créatif. Mais ces deux peuples encore, tu vois, on les connaît. Certes, là, c'est la première fois qu'on les a entre les mains en mythique. On va tester leur nombre de dégâts. Mais dans la piscine en face de moi, il se trouve d'autres armes mythiques, dont une, c'est une arme entièrement nouvelle que personne n'a encore joué avec. Tu es mon cobaye. Je vais te commencer par le fusil à pompe automatique. Sachant que là, certes, on est en créatif, mais toutes les armes que je vais vous montrer, on peut tous les avoir en battle royale. Ça, c'est la deuxième partie de vidéo. Seuls ceux qui sont abonnés à la chaîne ont le droit de liker cette vidéo. T'es prêt? 140. Ok, maintenant on passe au spécialisé. On doit faire encore plus mal. T'es prêt? Moins 180. Oh là 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 là. Ok. On saute dans la piscine. Fusil à pompe spécialisé. Celui-là, on l'a utilisé. Pistolet émetteur de Strigger de Gunnar. Celle-là était déjà disponible dans le jeu, mais d'accord. Pompe automatique, on l'a utilisé. Le barret mythique est disponible dans le jeu, ma gueule. Et c'est pas que parce qu'on a aussi le fusil à impulsion de Sloan, qui est une toute nouvelle arme. Le barret, c'est la première fois qu'on a un barret mythique de toute l'histoire de Fortnite. J'espère que celui-là va mettre moins de sang dans la tête. Et on a aussi une toute nouvelle arme, le fusil à impulsion de Sloan. Sloan, quand on l'a tué, elle nous donnait log mythique. Mais elle nous donnait pas le fusil à impulsion. On commence par quoi? Le barret? J'ai trop envie de savoir. Il met moins 200 dans la tête. Il y a marqué dégâts 138, j'ai peur. 207. On a un sniper qui met moins 200 dans la tête, les gars. Sniper lourd. Et si je te dis que celui-là, on peut l'avoir dans le jeu? Fusil impulsion de Sloan. Rési, une balle dans le corps. 57. 57 dans le corps? Quoi? 57 dans le corps? Attends, mais c'est quoi ce bordel? Dans la tête? 85. Ok, elle a 16 balles dans le chargeur, mais frère, 85 dans la tête. Mais mec, c'est quoi cette arme? What the fuck? C'est la meilleure arme du jeu, regardez. Mais c'est la meilleure arme du jeu, les mecs. Maintenant qu'on a testé les armes en créatif, on va aller en Battle Royale. Et je vais vous expliquer qu'on peut avoir n'importe quelle arme en mythique dans le jeu. Alors, il faut se remémorer ce qu'on s'est dit hier. On a appris qu'on avait des arbustes qu'on pouvait planter sur la map. Le mien, je l'ai planté ici. Et hier, il m'a donné des armes vertes. J'ai enlevé des mauvaises herbes autour. Et ensuite, ça s'est amélioré en armes bleues. Là, on va aller voir si mon arbuste a évolué et si je vais avoir des armes épiques. Alright, j'arrive sur ma plante, votre arbuste. Alors moi, mes armes sont couleur rare. Si j'ai envie que ça augmente, hop, il faut que j'enlève la mauvaise herbe. Ouh. Toujours en rare, malheureusement. Si j'enlève la deuxième, voyons voir. Ouh, toujours en rare. Si je prends une arme rare, voyons voir. Oh, putain, c'est un pompe. J'avais un pompe commun. Merci beaucoup, la plante, ça fait extrêmement plaisir. On va enlever la traire. Hop là. Et je passe en épique, les amis. Let's go. Ah, je suis content. L'arbuste, tu vois, il a bien posté durant la nuit. Et du coup, là, ça s'est passé en épique. Il y a un mec dans la game, il a planté son arme pile à côté. Il s'appelle Imexco. Et lui, il a déjà ses trucs pour légendaire. C'est-à-dire qu'il a enlevé trois fois les mauvaises herbes. Alors, qu'est-ce que ça va donner des armes légendaires? Ah ouais. Puis c'est mitrailleur légendaire. Pas mal. On va voir ça. Ah ouais, le petit toc, hein, tranquille. Et ça? Un pompe peut-être? Une SMG, allez, en meilleur. Et en plus, t'as 22 gold, c'est un truc de malade. Donc là, ça repousse. Moi, mon arbuste aussi, ça repousse. On va revenir un petit peu plus tard pour enlever les mauvaises armes, passer en légendaire. Parce que, comme je l'ai dit au début, notre but, c'est de l'avoir en mythique. Car oui, on peut augmenter l'arbre jusqu'à qu'elle nous donne une seule arme en mythique. Ou sinon, deuxième solution, on va tout simplement voler les arbres des autres joueurs. Là, j'y retourne une deuxième fois. On va voir si mes fruits ont évolué. Vous là, il s'est passé à peu près quasiment une heure. Et les fruits sont toujours très petits. Mais ce qu'on va faire, toi et moi, frérot, c'est qu'on va aller tenter de trouver des arbustes. D'autres joueurs sur la map. Voilà, là-bas, il y a d'autres arbres. On va tenter de trouver un arbre mythique. Oh, lui, regarde. Il s'appelle Legendrex. Et il a déjà des fruits légendaires. Donc là, je vais me faire un sub de ouf. Oh là 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 là, je me mets tellement bien. Alors, voyons voir. Là, c'est bleu. Là, c'est légendaire. Ce qu'on veut aussi savoir. Oh, il y a un joueur devant moi. Au fois 22. Je l'aurais pu. Oh merde. What the fuck, je voulais pas faire ça. Ok, il te rush, je crois. 35 blancs. 19 blancs. 18 blancs. Un autre gars. Bien joué. Oh, il y a plein d'arbustes là-bas, je vais voir. Ah, lui, il est en épique, l'anonyme. Exactement comme moi. Mais aussi, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand t'as pris ton fruit au mythique? Est-ce qu'ensuite ton arbuste te redonne une arme mythique? Ou une arme exotique, peut-être? Ok, là, il y a eu du légendaire. Oh, attends, c'est quoi ça?
Oh, c'est pas mythique ça, mec. On dirait mythique. Mais normalement, mythique c'est genre un seul fruit, alors que là il y en a deux. On va pas lui casser son arbre, ça serait pas en vrai. Parce que regarde, par exemple, lui là, tu vois. Lui, on va dire il a plus de fruits. Mais si tu casses son arbre. Prochaine game, il va devoir repousser. Ça va prendre plus de temps pour évoluer. Après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'arbustes autour de la cascade de la réalité parce que c'est là où ça te donne les graines. Mais est-ce qu'il y aurait une stratégie de mettre ton arbuste dans un autre endroit? Peut-être ton spawn favori, dans un endroit reculé pour que personne vole ton loot. Oh, il y en a un ici. Ah ouais, il y en a un ici, bien vu. Il est loin celui-là, tu vois. Il y en a, il doit être vraiment rare. Il y en a même, il doit les cacher et tout. Mais lui, tu vois, il était quand même dans un passage où il y a pas mal de personnes qui peuvent aller. Genre, le skin que j'ai là, c'est un skin spécial plantation. Les skins du pass sont incroyables, je trouve. En parlant de pass, n'oubliez pas le concours sur mon Instagram et Twitter. Je vous fais gagner 10 passes de combat. Vous avez le lien du concours dans la description, il reste plus que un jour pour y participer. Demain, je fais le tirage au sort. Ah, je peux pas, tu vois. Quand j'ai une arme légendaire, je peux pas l'améliorer à l'améliorateur. Un arme mythique, malheureusement. Le seul moyen d'avoir les armes mythiques, c'est avec ta plantation. Là, il y a zéro plantation. On est quasiment un daily bugle, personne n'a planté ici. Let's go! T'es sur le dos d'un loup ou d'un sanglier, 15 000 XP, je viens de gagner. Oh, je vois des mecs là-haut. 29, 29. Vas-y, go zone. Il y a moins de véhicules, mais il y a les cochons. C'est pas mal. Oh, je vois deux mecs. Oh, ils m'ont vu. Aïe, aïe, vite cochon, il a 33 HP. Ok, va surtout pas à la maison. Tiens, on va se cacher là-dedans. J'ai pris une balle, je me suis pris une balle en face. Je vais mourir. Je me cache, je me soigne. Oui, ils étaient au niveau du phare. Hein. Ah ouais, il est en haut du phare. Et le cochon, il me suit après quand c'est mon cochon. Il reste à côté de nous. Ok, faut qu'on trouve un endroit, il faut qu'on trouve une solution. Oh, il y a des gens. 29, 29, 30, 30, crack. Casse le mur ici. Ils ont pas de protection. Ah, il y a un mec qui court. 30, 30. 30. Un blanc. Je continue à casser. Nos cochons, frère. Eh, on peut pas buter nos cochons après. Là aussi, au niveau de la musique, deux mecs, 30 crack, 30 morts. Deux morts. Pour moi, le dernier, c'est deux personnes. Oula. C'est qui? Il est où? Ok, oui, il court, ah, il court. Viens, il faut qu'on le rush. Il est solo, il faut qu'on le rush. Sur moi. Un HP. Attends, on est éclaté. Go le rush. J'ai un HP. Il y a la zone qui arrive. Il me rush le gars là. J'ai pas le temps, je suis mort. Il me tire dessus. Il est derrière toi. Il est encore derrière le rocher. Il tourne du rocher. Je suis mort. Oh, j'ai un HP. Il est où? Derrière le rocher encore. Comme derrière. Il est pas derrière le rocher. Je le vois. Let's go! Oh my god! GG! Hey! Y'a un mec qui a volé mon stuff! Là, je viens de spawn, ça vient de grossir. Il s'est passé à peu près 1h30 pour que ça redevienne des fruits que je puisse cueillir. Mais y'a quelqu'un qui a pris mon stuff. Alors, j'ai appris un truc. Chaque fois qu'il faut enlever les mauvaises herbes, c'est tous les 13 heures. Si tu ouvres ta map, à gauche, ici, il y a marqué état de l'arbuste, fruit. Les trois fruits sont en épique et ils sont gris parce que je viens de les ouvrir. Le prochain désherbage est marqué pour dans 13 heures. C'est-à-dire que dans 13 heures, les amis, je vais pouvoir désherber et mes arbres vont passer en légendaire. Et j'ai eu un script d'un abonné. Pour lui, il est déjà légendaire et a marqué que dans 13 heures il pourra redésherber et donc avoir sa première arme en mythique. Waouh! Ok, donc ça c'est mythique. Vas-y, bon courage. Attention. C'est mythique! Fusil d'assaut hammer en mythique. GG ma gueule. Hein. Première fois que je vois un arbuste avec un mythique. Maintenant, on va parler du glitch XP. Des abonnés ont déjà gagné des records d'XP sur cette map. Regardez ce screen. Il a gagné des centaines de milliers d'XP en plusieurs parties. Nouvelle saison 3. Tu veux augmenter le niveau pour débloquer plein de récompenses. Tu vas dire, ok, go faire les quêtes. Quêtes hebdomadaires, quêtes d'étapes. Mais frérot, il y en a tellement à faire, c'est long. Ce que tu fais, tu cliques sur le mode de jeu que tu veux choisir. En haut à droite, tu vas dans parcourir. Là, t'as plein de catégories de maps. Tu peux soit aller dans mini-jeu, où là, t'as la map d'Ontfall. Ou soit tu vas dans jeu en groupe. Et là aussi tu peux la retrouver. Je vais te montrer une game dessus. Tu vas halluciner le nombre d'XP que je gagne. Oh, 1100 XP. Juste parce que j'y ai lancé la game. Survivor plus 1000 XP, let's go. Et je viens de gagner. Survivor plus 900 XP. Winner plus 8800 XP. C'est-à-dire j'ai gagné un peu plus de 10 000 XP en l'espace de quoi? 8 minutes. Après tu peux faire tes quêtes, tu vois. Accomplir des contrats 0 sur 5, ça t'en fait gagner 5000. Pour accomplir 5 contrats, il faudrait que tu accomplisses 10 contrats pour gagner le même nombre d'XP que je viens de gagner maintenant sur la map. Depuis que Fortnite t'a rajouté comme quoi tu peux gagner de l'XP en créatif, mais mec, je fais même plus mes défis en fait. Ouf. Il y a du monde là-haut. Survivor plus 687. Hop là, encore un mort. Hop là. On vient encore de gagner. Une minute plus tard, winner, plus 7200 XP. On vient encore de gagner 10 000, 20 000 XP comme ça dans la poche.
Let's go. Encore un troisième win. 500 XP en tant que survivor. Et encore 8000 XP en tant que winner. Si tu veux soutenir ma map, ce que tu fais quand tu fais échappe, maintenant il y a un nouvel paramètre. Quand tu veux quitter le mode, tu peux aimer la map. Moi je l'ai déjà mis en favori, comme ça je peux retrouver la map. Et là, bam, je mets un gros pouce bleu à la map, frérot. Si cette map t'a fait gagner d'XP, mets un gros pouce bleu à la map, ça soutiendrait de ouf les mappers qui ont bossé dessus. Et moi je te dis que Fortnite, ils ont recopié YouTube. Hein. Maintenant tu peux mettre des pouces bleus sur Fortnite. What the fuck. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura informé de plein de choses cool. Bon, ce pouce bleu sur YouTube cette fois-ci, attention. N'oublie pas les deux concours Instagram et Twitter pour remporter les 10 passes de combat. Les deux concours se terminent demain. Profites-en et abonne-toi à la chaîne si tu veux, ça fait extrêmement plaisir. Bisous les gars, tu peux juste cliquer ici sur la dernière vidéo, c'est une fucking masterclass. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao bye. C'est merde.